Le but, c'est toujours de perdre le moins de temps possible et même de gagner du temps pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc, ce qu'on veut, c'est quand on a un patient qui va être éligible à la circulation extracorporelle, c'est de pouvoir déclencher immédiatement donc les secours comme on le fait au quotidien et ensuite de déclencher la deuxième équipe, l'équipe ECMO, l'équipe ECPR, on l'appelle. Et cette équipe va évaluer sur place la faisabilité, est-ce que le patient a les critères de survie idéale, c'est-à-dire est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il a bénéficié d'un massage cardiaque immédiatement, ça c'est le critère principal, c'est ce qu'on appelle le no flow, c'est la période sans débit cardiaque qui doit être proche de zéro, de manière à avoir un minimum de séquelles possibles. Et donc le but en gagnant du temps comme ça, c'est de pouvoir proposer à certains patients, avec des critères bien précis, une réanimation par une assistance circulatoire extracorporelle.